J'ai un peu de bruit dedans. Ouais. Ah ben. Viens là, ma belle. Ah, le petit truc. C'est sympa. Bon, je me calme avec toi. Voilà. Ce matin, il est 7h30. Bon, ouais. On fait une session sur deux rivières aujourd'hui. On va faire pour près de la truite en hiver. Puis après, ben, on va essayer de la porter les gros. Donc, on vous montre tout ça. Allez, on va faire. Ouais. Patrick a quelque chose au bout. Il l'a bien beau, hein, je crois. Montre-nous la bête. Oui. Allez, Pigette. Attention, ça tranche pas sur le bord. C'est quoi? Une truite? J'arrive! Bon, on va aller voir la truite quand même, parce qu'il y a longtemps j'en ai pas vu. Un vrai bordel pour passer. J'arrive. Ça arrive à le faire. Ouais, belle sérieux, super. Allez, je vais prendre mes travaux parce que j'ai ma gueule qui parti pendant qu'il remet. Bravo Patrick. Ça y est, ça filme. Ouais, ça y est, encore une truite. Allez Patrick, ramène, au toc. Encore une belle, hein. Oh la vache. C'est sauvage, hein. Ouais. Okay. 25. Oh oui. Pas enfin, l'autre 25. Super. Je vais faire un peu chaud. Oui. Ha. Patrick, tu joues, il me donne la pige. Voilà. Une perche. Voilà la perche. Toujours au toc. Elle est belle, hein? Bien, bien piqué. Elle est juste piquée au bord, ça va? Elle est loin? Moi, je regarde le hameçon. Non, c'est impeccable. Impeccable. On va pouvoir remettre dans l'eau la petite perche. Voilà, la perchette. Petite perchette, mais qui va grossir. Allez. Qui deviendra grande. Allez, allô. Voilà. On la voit bien, hein. Elle va aller dans le courant là-bas. Allez, regarde ça. Hop là. Yes. Patrick en bagarre. Attends, j'ai épuisé, vas-y. Ça y est. Putain, un bel sérieux là, c'est que de la sauvage. Superbe. Allez, elle a un gamin. Tu me la présentes. Ouais. Ben voilà la bête. Petite bête, elle a bien avalé, elle a bien avalé, voilà. Ben voilà. Super. Allez, ben je vais se débrouiller. 6 cm. Je vais récupérer ma ligne. Super.
Allez, Patrick, la perche, elle est belle. Tu m'en fais une avec... Tiens, je veux un jeu. Faut la bien la récupérer quand elle est la plus grosse possible. La cigarette au bec. Yes. Allez, on met la remise à l'eau. Oui. Hein? Ouais, il faut qu'on la dégorge ensuite. Ouais, mais attends. Tu veux y arriver? Putain, on sait qu'il a été mis de ça. Est-ce que tu mets du mou mouillé peut-être? Non, tu veux rester tendu. Elle a beaucoup avalé. On va la sauver celle-là. J'en dirai. Oh, c'est dégorgeoir. Tu veux un grand dégorgeoir? Non, il faut être à deux. J'ai un grand dégorgeoir. Allez, là, celle-là. Hop, elle va rejoindre les autres, les plus grosses. Je ne vais pas te faire manger. Elle a filé. C'est ta copine, là, elle fait 30 cm. Voilà, on a cassé la croûte, on a été boire un petit café, on a changé de spot, on est toujours sur la même rivière, mais en amont, avec Patrick toujours là-bas, qui lui pêche au toc. Moi j'ai pris un petit minnow, il est quand même génial celui-là, je le conseille parce que il a vraiment une nage super. C'est, je ne sais plus son nom, c'est Jonathan. Jonathan, je crois qu'il m'avait parlé... sur YouTube et qui me l'avait conseillé, il m'a donné l'adresse, je vous ferai un petit lien pour vous expliquer. Ça mange, bah, vous allez voir tout de suite, hein, regardez, quand il est dedans, voilà. On voit très bien sa nage, il est super. On ne s'accroche pas sur ce guet de pierre, tout ça. Allez, vous le lancez là-bas. J'ai loupé. J'ai laissé trop de fil, c'est de ma faute. Encore de l'eau ici, c'est bien. Ça fait qu'il va me montrer encore comment il sort des trucs. Bon, il y a des feuilles bien sûr qui commencent à tomber. Forcément, on les récupère. Bon, de toute façon, c'est pour vous montrer un endroit qui est super. Voilà. C'est génial, la Bretagne est belle quand même. Patrick est là-bas, il a attrapé une perche au toc. Moi je viens d'avoir un décroché d'une belle truite. Ouais, petite perche, on va au bout de la ligne là-bas. Faut qu'il sorte un tour. Hein.
On va le voir remettre à l'eau. Le coin est sublime là. C'est reposant. Super agréable, beau décor. Encore des feuilles, c'est agréable. C'est vert. Il en chie là-bas, je crois, pour enlever l'hameçon. C'est ça le problème quand elle s'engame trop, les perches. C'est vorace une perche. Si on ne ferme pas tout de suite, ça avale. Ça y est, je crois qu'il arrive au bout. Mais il a un problème puisqu'il a eu il est opéré d'une épaule, alors il peut pas se servir du bras droit. Bon ben je quitte un spot là, je vais plus loin, c'est joli à regarder. Il y a des jeunes qui viennent se baigner parce que c'est vrai que le fond est sableux. Ah ouais? J'essaie de bouger. Je suis obligé de bouger par là. Ah, les couleurs. Les couleurs des arbres. Ah, y a les jeunes qui viennent se baigner là-bas. Ouais, ils sont tout un groupe, alors je les laisse quoi. Je sais, la dernière fois j'étais venu, il faisait chaud, il y avait plein de gamins, c'est pour ça que j'étais pas venu pêcher là. Je n'avais pas le choix. Ah, on voit les poissons au fond. C'est joli, hein. Mais je m'en doute, hein. Le bouchon qui se barre. Et je l'ai. Merde, décroché, saloperie. T'es plus malin que moi. Décroché. Oh, la truite décrochée. Là, ça doit être une perche. Putain, là-bas, il se baigne. Les touristes. Il y a des phoques dans l'eau. Je déconne. Putain. Ils sont devant moi. Hein. Patrick là-bas, juste à la petite, dans le courant. Regarde, ça part, ça part. Ça joue avec le verre de terre. Oh putain, le bain qu'il a pris. Aïe. Il bouffe le verre, c'est tout ce qu'ils font. Ça l'a pris. Fort dessus. Hop. Bon, en fin de compte, on a rejeté la vie. Du coup, c'est le spectacle. Encore. Elle est belle, celle-là, elle est très belle. Une belle perche. Yes. Ça fait. Bon, on va essayer de pas la mettre par terre. On va bien la décrocher, voilà. Même tu peux la prendre comme ça si tu veux. Je tiens là. La petite perchette là. Là. Allez, on arrête. Allez, on repart. Allez. Bien, Julien. Hein? Oh, ben oui, je vais la faire là, ouais. Je me dépêche. Voilà, c'est sûr. Vous avez pas m'admirer comme ça. On va partir doucement, tranquille. Allez, admirer le spectacle.
Il est déjà barré. J'ai même pas eu le temps de voir. Bon bah allez, salut à tous. C'était le dernier coup de... Non, ça y est. Ouais, du coup. La vache. La bête. La bête. Du coup. Belle perche. Putain, elle est belle la perchette là. Patrick, t'avais la main verte aujourd'hui. Hein. Moi, je t'ai billé sur le spot. Mais à toi, t'as pas rêvé. Moi, j'ai loupé une truite. Ça me fait chier. Mais bon, elle s'est décrochée, hein, c'est pas un problème. Voilà, Guy. Superbe. Belle perchette. Hop là. J'en rattrape là. On n'est pas au bord de l'eau. Il faut la prendre sur le bord. La bêche, comme ça. Voilà. Ouais. On va vite descendre de l'autre côté pour la mettre dans l'eau. On la remet à l'eau. Je vais la remettre de ce côté-là. Je vais la remettre. On va faire un petit départ. Je vais escalader parce que... Là, c'est plus facile d'ici. Voilà. Là, vous allez voir le départ d'ici. Hop là. Elle est partie. Hein. Elle n'a pas demandé son reste. Bon ben voilà. Session de pêche terminée. J'en ai plein de bêtes. Levé à 6h. Mais une journée splendide. Une furie. Vous allez voir ça sur la vidéo. C'est super. Allez. Salut à tous. J'ai un peu de jus dedans. Ouais. Ah ben. Allez, viens là ma belle. Ah, belle petite truite. Ça c'est sympa. Il y a de quoi poser les cannes là ici, hein. Ouais. Je me calme ma canne, voilà. Super. Où est-ce que tu l'as mis? Bon, j'ai ça. Je vais mettre ça à la porte.